Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Blague déserte online. Donc, chers amis, on va appeler notre ami l'entité obscure, là, l'esprit obscur. Après ça, maintenant, essaie de traiter les autres avec gentillesse, de te faire de nouveaux amis. Sur le long terme, ça donnera beaucoup, crois-moi. D'accord. Et donc, j'ai cru comprendre qu'il y avait un système. Alors si je prends mes gants là, y a pas genre. Non ? D'accord. Peut-être transfuser, d'accord, ok, bon bah écoute, pourquoi pas. Je peux m'équiper d'un truc après ? Bon bah j'aimerais équiper avec tout à l'heure. Vénère le refuge en cours, détruire la source de pouvoir des gobelins. Eh, il y a toujours plein de gobelins. Fais quelque chose, renverse les chaudrons que les gobelins utilisent pour leur banquet. Ou détruis le visage tordu de ces espèces de totems. Oh allez quoi, bouchons un peu. Écoute, pas de soucis. Suffit de demander. Hein. Hop. Par contre j'ai vraiment beaucoup trop d'équipement sur moi. Je veux pas dire mais... Ok. Bon. Allons-y. Alors apparemment il y a des choses par là, des chaudrons. Oh. Bah tout un village là, c'est bon. Ça va être peinard. Elle est où la porte? Pas dans une porte. C'est bête hein. Oh il est passé au travers. Oh il est passé au travers le salon. Hop. Oula. Mais c'est qui va me tuer? Hop. Il m'a fait vachement mal. Ça me trouve le cul. Casque de Rebla. Je serais pas fait frapper par quelque chose. Oula. Je vais fuir un petit peu. Je vais fuir un petit peu parce que je sens que je me fais agresser. Genre là je suis à l'abri. J'ai pas un petit peu de soin sur moi. Apparemment non. J'ai aucun objet de soin. Ah si c'est bon. Hop. Bah non ça soigne pas des masses hein. Combien de potions il faut que je boive? Hop, c'est bon. Ok. Bon. Bah écoute. Je touche pas. Ah là, je touche, là. Hein. Là, vous le sentez, normalement. Hein. Ça vous a énervé? Vous voulez vous friter? C'est quoi la grosse bestiole qui est là? Soldat d'élite gobelin. Ah oui, d'accord. Hop, bonjour, c'est quoi ça? Peau ordinaire. Une armée de vide, d'accord. Ok. Ah, ça doit être quelque chose ça. Hop. Hop. C'est bête hein. Hop les. Ah viens, je t'attends moi. Pas de soucis hein. Ok. Combat des gobelins. Ça c'est fait. Hop. Ok, on appelle notre ami. Et maintenant, les gobelins sont terrorisés, tu vois ça, hein? Tu devrais leur montrer à quoi ressemble la peur, puisqu'ils ne comprennent rien à ce que tu dis, et comme ça, ils te laisseront tranquille. Oui, c'est une idée.
Il n'y a pas d'emplacement vide dans l'équipement. Merde. Oh merde. Comment je fais pour... Ok. Mais non. Mais non. Comment je fais apparaître le menu? Oui. Voilà. Hop, parfait. Il semble avoir obtenu une palette de couleurs. Non, tant pis. Tant pis, tant pis. J'aurais juré en avoir obtenu une pourtant. Mais ce n'est pas grave. L'esprit occulte. Quoi? Je venais de me faire frapper. Je vais être dans ma tête. Bon, l'esprit occulte. Oui, oui, oui. Donne-moi ça. Voilà, kékette. Le vrai combat! Avec des gants. Ouais, gants de bris. Why? Qui a fait ça? Voilà. Retourne chez ta maman. Épée courte d'Aswell. D'accord. Ça va pas être une arme pour moi, ça. Hein. Non. Mage plus clic gauche. D'accord. Faudra que j'essaie de les vendre à une banque ou un truc comme ça. Merde. C'est pas ce que je voulais faire non plus. C'est pas grave, on va se remettre là-haut. Hop. Non. Voilà, parfait. Hop. On y retourne. Allez. Appelle ton copain. Si on pouvait passer l'animation. Ok, vas-y, c'est bon. Oui, je suis prêt à taper des gens. Les Gulblas sortent de partout à présent. Ils veulent sûrement se venger. Allez, exterminons-les. D'accord. Pas de soucis. Vaincre les élites gobelins. Et vaincre les chamans gobelins. Bah écoute, pas de soucis, on y va. C'est parti. Et les filles, oula, oula, oula. Boum. Et de un élite gobelin, il y a un chaman là-bas. On y va. Boum. Ah, ça en fait des cadavres. C'est chiant de voir tout ramasser tout le temps. Je sais que quand on aura un pet, il ramassera à notre place. Hop. Ça fait mal? J'espère bien, c'est fait exprès. Ok. Alors, il faut trouver un autre chaman. Ils sont grands avec leurs bâtons. Boum. C'est fait. Hop, ok, pourquoi pas. Mais non, je suis pas agressif. C'est faux. Alors, on peut grimper ici, oui. On va même se planquer là, c'est bien. Ok, on va appeler notre esprit, encore. On fait que ça, mais c'est pas grave. T'en peux déjà plus, tu vas bien? N'oublie pas, si ton corps est épuisé, alors il en est même pour moi. Ok. Le vrai combat 2. Je suis toujours de ton côté, mais pour l'instant tu es trop faible. Pour continuer à aller plus loin, il nous faut plus de puissance. Tue des gobelins. Bah écoute, pas de soucis. Oh, tiens, un gobelin. Hop, essayer de revenir plus tard. Hop, aussi il revient plus tard. Là il y en a plein, là ça va être parfait là. Hop. Ok. Oh, le nombre de trucs que j'ai fait d'un seul coup. Hey, donne-moi ton bouclier. Non. Il n'a pas voulu. Pouf. Bouclier. Il n'y a pas d'emplacement vide, what?
Fire! D'accord. Ok. Hop. Non, c'était juste pour les bots. Hop, deux. C'est bon, on va juste les bourrer en fait. On va bourrer tout le monde. Hop. Voilà, en taille chargée 2. Niveau 17. Why not? C'est quoi ça? Merde, mais montre-moi! Ah bah écoute. Ça a disparu, semblerait. Tiens, ce que je recherche toi, non? Oui, il avait ce que je recherchais. Non, je ne te laisserai pas faire ce que tu es sur le point de faire. Hop. Voilà. 4 sur 6. Hop. Boum. Hop, merci de revenir plus tard. Hop. Yo l'ami. Hop, ça c'est bon. L'outil de quête accompli, parfait. Ah oui, je disais 4 sur 6, mais en fait non, c'est de la merde ce que je disais. Allez, bon, tu peux pas grimper là? Apparemment il veut pas. Non, tombe pas. Moluglan. Il veut pas remonter. Ah, peut-être que j'ai rangé mes armes pour qu'il accepte de monter. Bon, on verra bien. Hop, l'esprit occulte. Aïe. Je sens que je vais me bouffer un sale coup dans le nez là. Voilà, c'est bien ce qu'il me semblait. Hop. Hop. Raté. Vas-y, frappe. Raté. Et boum. Est-ce que je peux appeler mon copain sans être interrompu maintenant? Voilà. Ok, un anneau de Binder. Et un casque, le casque de Brior qui est moins bien. D'accord, mais je ne vois pas les casques, ce qui m'intrigue. Si vous avez des idées, chers amis, je serais ravi de les connaître. Parce que je ne vois pas mon casque et je ne comprends pas pourquoi. J'ai toujours pas assez de place, je suis con, j'avais deux objets à récupérer, je croyais que j'en avais chopé déjà un en fait. Ok, prends une potion. Ok. Ok. Voilà. Quête. Apprendre à connaître son ennemi. Hein, attends, je croyais que c'était en plein cœur de l'antre des gobelins. Mais je pense que c'est la présence d'un humain. Et donc, il doit y avoir quelque chose. Ceinture de binder, ou n'importe quoi. Bref, ok. La puissance des guerriers en taille circulaire. Non mais vraiment, tu appelles ça une attaque toi quand tu bloques un coup avec un bouclier? La dernière chose à faire en combat c'est de te cacher derrière un bout de fer comme une tortue dans sa carapace. Ce n'est pas en combattant de la sorte que l'on s'améliore. Non, à partir de maintenant tu vas avoir besoin d'une attaque dévastatrice. Trouve un moyen d'apprendre une telle attaque. D'accord. J'aime quand il me parle comme ça, remarque. Hein. Allez à la rencontre. D'accord, bah écoute, on y va, c'est parti. Sprint. Oula, sprint sur le côté. Sprint en crabe. Salut. Je suis déjà loin, hein, t'embête pas. Hein. Et donc, tu vas t'amuser à faire tout le tour du truc à chaque fois. Bon, je vais couper un peu. Hein. Hop. Ouais, faites pas vos forts parce que je vous tabasse, hein, sinon... Oh, il a fait son fort.
Oh. Hop. Voilà, on va rejoindre la route pile où il faut. En plus, c'est parfait. Je vois pas la distance, 260 mètres. Pourquoi pas? Vendeur de marchandises générales, bonjour. J'aimerais te vendre des choses. Ouais, je voudrais te vendre des choses. Enfin, si tu veux bien. Non, il veut pas m'acheter des choses, en fait. Il ne fait que vendre. Ok, bah écoute, va te faire foutre. Je suis désolé, hein, moi j'avais besoin de vendre des choses. Ok. Oula, il se fait tabasser, lui, non? Bonjour, t'as des problèmes de gobelins? Je peux résoudre ce genre de problème. Il ne faut pas que l'on nous voit. Vite. Faisons semblant de nous battre. J'ai mis la journée à me déguiser. C'est vrai qu'il est déguisé en gobelin, en fait. Je ne pars pas tant que je n'ai pas découvert ce que m'y jettent les gobelins. D'accord. Ah, putain, j'ai pas de... Ah, attendez. Y a pas genre un système de téléportation n'importe quoi. Velia, mais non, c'est pas à Velia que je veux aller, moi je vais retourner au camp. En train de me dire que le camp il est là. Ah oh, la gueule. Ok, ben on y va. Non? Non, je vais virer des objets, tant pis, c'est pas grave. J'aime pas faire ça, j'aime pas me débarrasser d'objets alors que je pourrais les rentabiliser. Mais bon. Yo. Ok. Hello there, ne le pénètre pas, s'il te plaît, ce serait vraiment dégueulasse. Cobb, voilà le chef. Ah, tu sais ce que j'ai fait pendant que tu t'éclatais avec des gobelins? Allons donc inventer Gat, le chef des gobelins. Dans un endroit calme, juste tous les deux. Tu veux le voir? Bah écoute, ouais, pourquoi pas. Voilà, encore que je garde des choses de mon inventaire, mais c'est pas la peine. On peut pas en équiper une deuxième? Et si! Si. Parfait. Et la ceinture, je peux l'équiper normalement aussi. Voilà, mais me le dis pas, hein, jeu, hein. Ne me le dis pas. Ok, on y va. ~900 mètres. Tu m'emmènes où là? Hop. Ah, c'est bien là pourtant qu'il m'emmène. Hein. Oh la gueule. Ah, ça me troue le cul toi-même. Hein. Bon, bah on y va. On va y aller en ligne droite cependant, hein, je peux vous le dire. Hein, je vais pas m'emmerder. Hein. Un sanglier, pourquoi pas. Oui, il y avait des cornes sur la tête quand même, le sanglier. Hein. On n'a pas les mêmes sangliers dans la région. Hein. Ok. Encore moins les sangliers qui font... Oh mais non, mais pourquoi à chaque fois que je fais quelque chose, je me retrouve face à une montagne? Ouh. Sympa. Sympa, sympa. Stop. A quick inspection is in order. Just joking. Je sais même pas ce que ça fait, ce que je fais. C'est pas grave. Je sais pas ce que je fais. Quand je clique sur la cartographie, je sais pas ce que ça donne. Ça a changé de quête. Hop. Pourquoi la quête ne se lance pas? Qu'est-ce que... Mais qu'est-ce qui me chie? Ah, il est en train de partir pour m'apprendre le truc. Ah! Cette interface est vraiment bizarre. Cette interface est vraiment bizarre. Bon, allons-y.
Il a de la chance, il a un canasson lui. Ok, des gobelins, oui, ça me semble logique. Non, non, c'est bon, je m'en vais, t'embête pas. T'embête pas pour moi, je m'en vais. Je me casse. Heureusement que vous avez parlé de mort-vivant il y a pas longtemps. Hein. Alors. Hop. Suis-je suivi? C'est la question du jour. Apparemment non. La suite. Tombe pas dans le puits, Coco. C'est bon. Ok. On est à combien de mètres? 160 mètres? Pétain. Ce sont les 160 mètres les plus longs de mon existence. Ok. Ok, c'est parti. Grosse bébête! Approche, entité démoniaque! C'est pas bon. En même temps que je fais le boss, il se met à faire nuit. Je crois que c'est pas bon du tout. Je pourrais même dire que je crois que ça pue. Eh ben non. Raté. Eh vas-y, donne. Donne tout ce que t'as. Mais non. Est-ce que je peux prendre le gros? Ah, je pouvais pas. En douter. Qu'est-ce que... Non, non, mais tu crois que tu peux t'asseoir comme ça? Je lui ai pété son casque. Je lui avais pété son casque. Vous avez vu? C'est stylé. C'est stylé. Bon. On appelle l'esprit occulte, alors que le cadavre se fait repatrier droit en enfer. Alors, ok, ça c'est fait. Grand poisson, petit étang. L'heure est venue de quitter ces lieux. Je ressens un grand pouvoir venant du sud. Cet endroit te manque déjà. Tu veux perdre ton temps à faire tes adieux. Tu as ma généreuse permission. On a tout le temps qu'il faut, après tout. C'est. Emblème de cheval. Âne gris, âne brun, âne noir. D'accord. Fuseiso. Ah non, il fait pas nuit. Ok. J'ai découvert une autre épée, alors, du coup. Épée longue. Donc voici l'épée... Bah oui, non, ça va pas me changer le... Voilà, l'épée que j'ai actuellement. L'épée que j'ai maintenant. Y'a pas vraiment de différence. Hop. Ok, bon. Bon. Moi, je pense... qu'on va aller là. Hop. C'est parti. On a parlé d'un château, moi ça m'intéresse. Hop. Oh. Ah, il est pas en forme ce château en fait, c'est ça le truc. C'est con. C'est vraiment con. Et c'est à cause des gobelins tout ça ou... Histoire qu'on sache, hein, définitivement. C'est plein de gobelins. Donc c'est sûrement à cause d'eux. Eh bé, pauvre château. Ce sera fait défoncer quoi. Tiens, regarde. Boum. Reviens plus tard. Hop, soldat violent. Ah oui, effectivement il est violent. Raté! Vas-y, frappe! Allez! Enfin, mieux que ça! Raté! Ah merde! Je l'ai eu! Qu'est-ce que
Qu'est-ce que t'avais sur toi? Oh! Tellement d'équipements! Mais c'est quoi ce mec? Hop, merci. Cartographe, bonjour. Ah, il se planquait lui. Je me rends. Pauvre homme. D'accord, ok. Ok, si tu le dis. Bon. Apparemment, il veut bien échanger de l'équipement de quelque chose. J'ai pas vu voir ce que c'était. Ah oui, non, mais tu mets tout, hein. T'emmerdes pas. Voilà. Chaussures solides, 100. D'accord. Il échange son équipement contre 100 chaussures solides. Un truc de fou. Attends, c'est un humain. Ah bah voilà. Ah bah oui, mais si vous faites pas apparaître les choses quand il faut... Quoi? Calmez-vous. J'aimerais m'enfuir. Mais je suis mort. Parce que ce con restait en garde même quand tu fais le sprint. Ok. Je me fais agresser par des humains. Expérience diminuée. 1, 17, 61, 9. D'accord. Ça fait défoncer par des humains, d'accord. Ah bon, bah je me suis pas fait... Ok. Bon, je sais pas ce qui s'est passé honnêtement. Bon. C'est combien de temps qu'il tourne cet épisode? 30 minutes, eh bien écoutez, c'est pile la durée qu'il me fallait. Eh bien écoutez les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la pouce, vériser, la commenter, la partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam Joueurs de la Playroom. Pas trop le lien dans la bannière de la chaîne. Encore une fois, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour ton aventure. Salut les gens. Et yop.